الحصري الذي تحصلت عليه تلفزيون النهار، والذي يظهر فيه رئيس سابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راو راوه في نقاش ساخن مع رئيس الحالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زوتشي خلال أشغال الجمعية العامة العادية للفاف التي جرت يوم أول أمس. تابعوا. Pour le contrôle antidopage, on a cessé d'aller au laboratoire de l'OTAN, mais il faut l'oublier, parce que c'est des voleurs. Nous avons une convention avec le drapeau du Qatar, 50% du prix de Suisse, pour le même service. Donc si Dr. Edah a donné une fausse information au bureau fédéral, c'est sous sa responsabilité. Je parle encore sous sa responsabilité. Si nous avons choisi le laboratoire Lab, il est tout simplement que le laboratoire du Qatar n'est plus en activité. Concernant maintenant les recettes, vos services administratifs, par erreur, parce que je ne pense pas que cela ait été fait intentionnellement, ont budgétisé pour 2018 des recettes déjà encaissées en 2017. Si nous lisons le bilan de 2017, nous allons trouver qu'il y a plein et des sommes importantes qui ont été ont déjà encaissées, qui ne peuvent pas figurer dans la mission. Elles sont dans le bilan de 2017. En particulier, les recettes de mobilisme. Les recettes de mobilisme, vous avez un contrat qui est ici. Maintenant, en ce qui concerne le budget, moi je n'ai pas eu les questions parce que j'aurais pu c'est-à-dire m'informer, mais ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est que les recettes qui ont été présentées sur le budget prévisionnel sont les recettes qui ont été calculées sur la base des contrats existants. Maintenant, vous dites que les ressources de la Fédération ne sont pas pérennes, mais un contrat est appelé à être renouvelé. Qui vous dit, Monsieur le Président, que le contrat avec Mobilis ne sera pas renouvelé? Permettez-moi de terminer, Monsieur le Président. Que Monsieur le PDG, Monsieur Chaudard, avant qu'il ne soit aujourd'hui à la tête de la structure Télécom, a parlé avec moi en me disant Belli, il serait pour eux important de revoir le contrat à la baisse. Le salaire du staff technique de l'équipe A seulement, qui n'ont pas été payés pour les 3 mois d'octobre, n'ont pas été provisionnés dans le budget de 2017 et 2018. Vous aurez à payer un peu plus de 6 milliards pour le staff A. Et je ne compte pas les deux antennes de gardien de but. Entre l'équipe A, le staff de la direction technique, on par contre une lettre qui touche. Et si on augmente le but pour que les impôts soient payés, pour que la sécurité sociale soit payée et que la part employeur du président entrepreneur du salaire, on va déjà payer beaucoup. Vous dites, Monsieur le Président, qu'il y a beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de salaires. Il faut savoir, Monsieur le Président, que lorsqu'on a une activité importante au niveau d'une fédération, vous savez, c'est très simple pour moi. Je peux geler complètement les dépenses. J'enlève toute la DTN. Je mets un entraîneur, un sélectionneur à 150 000 dinars à la tête de la sélection A. Et, comme vous le savez, ce sont les salaires qui gonflent le budget de la fédération. نعلم مشاهدينا الكرام أن الفيديو سينشر كاملا لاحقا عبر تلفزيون